Allez, next. 5 novembre 2038. Ouais, je vous ai pas mis le micro très près. Attendez, bon, je parle pas beaucoup, hein, certes, mais vous m'entendrez quand même un peu mieux ici. Quand même! Ah, on revient sur celui du début. Merde, on avait son prénom, on avait son nom, je crois pas. Celui qui jouait avec les pièces. No Android Allowed. Allowed. Connor, ah oui, Connor. Merci, j'avais oublié déjà. Bah pourquoi il va là? Tu vas être trempé. Ah mais on sait pas encore Vlanar. Vlanar il dit c'est un peu dommage que les personnages soient aussi caricaturaux. Bah, il faut toujours un peu, sinon. Trouver le lieutenant Anderson. Scanner. Regardez autour de vous avec le joystick droit. Oui, ben ça, c'est ce qu'on fait depuis le début du jeu, en fait. Hein. Ah, mais c'est pour analyser les gens, genre. Ah oui, là. Attends. C'est si bien fait. Ouais, non. Ok, d'accord. Je restais dessus comme si... Je croyais que les androïdes n'étaient pas autorisés. Oh, mais je cherche quelqu'un. T'as un problème? Tu veux payer un verre? Pas scanner, on peut plus. Ça y est, c'est fini. Ici. Et attends. Casier judiciaire vierge. Ah, putain, j'ai vu marqué casier judiciaire, je me suis dit. Lieutenant Hank Anderson. C'est lui qu'on cherche. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Écoutez. Je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Oula, il va s'en prendre une. Chose à tous les deux. J'attends dehors. Excusez-moi, lieutenant. Je ne voulais pas vous importuner. Je vais vous attendre dehors. Prenez votre temps. Tu as dit homicide. Inspecteur rebelle. Cassez-vous, les badauds! Bon, vous êtes sur une scène de crime. Je serai pas long. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici. Alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Quoi, le visage ou la voix Dark Taboulet, parce que moi j'ai je l'ai vu, j'ai adoré hein,
pas si je l'avais vu, mais... Pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. Mais par contre, j'ai regardé en VO la saison 2 Dexter New Blood. Pas moyen. Bah, il y a même marqué sortir, je pouvais faire que ça, donc... C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. J'ai le droit d'y aller, nanana. Je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Ah ouais? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Dieu nous a appris bien 20 heures sur le... En plus, il y a marqué que le but, c'est de suivre. Alors... depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et... Dis la scène de crime, écoutez le briefing. Quoi de fait grave. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Red Eye, ça c'est un gnagnagne, c'est de la drogue. Il a été enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Okay. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus que... Pas d'empreinte, androïde impliqué, ah oui. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes, des... 19 jours. Non. Il est meilleur que Dexter, lui. La porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin, ah ouais, je ferais plus attention, Dark. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Par contre, t'as dit des trucs qu'il fallait pas dire pour ceux qui n'ont pas encore vu le... Ceux qui n'ont pas encore vu Dexter, hein. Chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Comme visiteuse. Mimi, tu veux pas te mettre ailleurs que devant l'écran, s'il te plaît? Merci bien. CSI. Alors, où est-ce qu'il y a d'autres preuves dans cette pièce qu'on n'a pas fait? I am alive. Il y a écrit sur le mur. Ok. On va aller là-bas. Il y en a une par terre, là, non? Salut Shadow, ouais. Oh, mon OBS, il est un peu passé en rouge. Est-ce que... Oh non, Alassia. Oh non, je suis dégoûtée pour toi. Le sexe avec les androïdes, c'est mieux. Ah. Les résultats de notre étude ont été publiés. Et c'est officiel. 68% des hommes préfèrent faire l'amour avec un androïde plutôt qu'avec une vraie femme. avec 52% des hommes affirmant qu'ils se sont livrés à l'expérience. Au moins une fois, les androïdes ont le vent en poupe. Plusieurs raisons ont mené à ce choix, mais nous pensons qu'on... En connaître le véritable motif, les androïdes n'aiment pas parler de leurs émotions juste après. Cette histoire vous a été présentée par Eden Club, la discrétion dans la peau. Ok. Ah, c'est ça que j'ai pas fait. Alors, en fait, t'as plusieurs articles. T'as 2 articles. Votre androïde vous espionne-t-il? CyberLife utiliserait ses androïdes pour collecter des renseignements personnels. Le métro en apesanteur reliera New York, Washington à 45 minutes. De plus en plus,
D'experts craignent que CyberLife utilise ses 120 millions d'androïdes pour enregistrer les conversations privées de ses clients afin de les revendre à ses partenaires commerciaux. Vous avez parlé d'acheter une nouvelle voiture en dînant avec votre moitié ? CyberLife pourrait exploiter ces renseignements dans le cadre de ses publicités ciblées. La pêche aux informations ne s'arrête pas là. Les détails sur votre vie privée ou vos préférences politiques peuvent être facilement extraits et potentiellement utilisés à des fins malhonnêtes. La multiplication de rapports établissant un lien entre Warren et la firme CyberLife ne vient pas arranger les choses. Plusieurs associations de droits des consommateurs ont enjoint à CyberLife de leur indiquer les informations collectées et les tiers auxquels elles sont vendues. Mais la firme n'a jamais accepté. Les demandes d'enquête formelles n'ont jamais abouti. Pour l'instant. Ta-ta-ta-ta. Ouais, c'est bon, on a tout lu. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime ? J'imagine. On prend des échantillons pour un... Attends, mais encore un truc ? Non, mais ça veut dire que j'ai pas fait, bien fait ce truc-là. Attendez, je voudrais... comprendre comment ça marche. S'il y a encore un truc suivant. Non, je peux faire que suivant et précédent, j'ai déjà tout lu. Parce que là j'ai lu. Là j'ai lu. Et là je peux pas aller plus en bas. Mais non, c'est juste que... Tu sais, ça s'affiche... Et comme j'ai déjà fait ça dans la maison tout à l'heure, je me dis j'ai dû louper un truc. Parce que sinon, ça s'affiche comme fait, tu vois. Bon, écoute. De la redaille. Notre ami Carlos s'est méfait. Vraiment, qu'on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. Pose-toi, Mimi, d'amour. Comme si c'était fait, lieutenant. Viens là, si tu veux. Viens là. Oui, viens là. Allez, viens. Allez, couche-toi. Hey Mike, t'as fini de prendre les couche-toi, on a des indices à faire. C'est fait. Allez, viens, viens vite. Viens vite, mon titi, viens vite. Oui, mon amour, oui, la relou. Mimi, la relou. Mimi, la relou. Zéro indice analysé. Bah oui. Voilà. Allez, tu te couches. Il y a une bosse. Attends, il y a une bosse, il y a marqué quoi? Cause impact violent, trace de thyrium. Ok. Traitement des données. Correspondance à la base de données Carlos Ortiz, casier judiciaire, vol, coup, blessure aggravée. Reconstitué. T'es pas relou, toi, déjà. Le déviant a pris un couteau. Ok. Allez, couche-toi. Deviant a été attaqué, choc émotionnel. Ok. Ah oui, donc en fait, il s'est fait attaquer. Et là, il a pris un couteau. Et clac! Ok. Elle fait que ça, mais là, c'est parce qu'elle veut que je joue avec elle. Salut, Lord de Ghost. Ok. Alors, attendez. On a 7 preuves. Non, mais il me remonte toujours le truc. Hein. Il y a un truc sur la porte. C'est quoi le truc sur la porte? Là, c'est le déviant qui s'est barré. Modèle K52, police de Détroit. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Mimi, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas d'empreinte. Qu'est-ce que tu fais? Celle de la c'est Collins, pas le moment de jouer. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non.
ce type de sol conserverait les traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Deviant ne s'est pas enfui par là. Il l'a fait avant moi d'ouvrir le truc. Je peux plus le faire maintenant. Avant c'était jaune. Qu'est-ce que j'ai loupé là-bas? Là-bas. Le légiste. Il aurait dû arriver il y a une demi-heure. Dégueulasse. Un red ice, un petit peu de drogue. Papy Mougeot. Pardon. Décédé, 1m70, 130 kg. Heure estimée de la mort, 11h30 environ. 11h30, mais il y a 19 jours, on est d'accord. Ah, ça va être dégueulasse. 28 coups de couteau et moral. Ah oui, c'est un peu beaucoup quand même. Oui, ben on sait que c'est lui. Ça, c'est sûr. Hein. Alors. Constitution inachevée. Y. La victime est tombée ici. Ok. Y. La victime a été poignardée. Ouais. Il venait de la cuisine. Bah oui, c'est ce qu'on a vu juste avant. Il venait de la cuisine, clac-clac, est tombé. Oh, et ok. Très bien. 28, ça doit être un accident. Il a été poignardé. Exactement. 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Faire un rapport au lieutenant Anderson. Non, il y a encore un autre truc là, examiner. Ah, c'est le déviant qui a écrit I'm alive, je suis vivant. Lettre anormalement linéaire, cyberlife. Eh oui, pardon. C'est ça. De toute façon, il n'y a pas de. Bon, mais c'est quoi qui manque ? De lui. Non, non, je veux pas lui parler, je veux... Ah, ça va, on n'a pas fait. Ah bah, là-bas. Ah oui, il était en train de regarder quand j'ai voulu le regarder aussi. On voit rien du tout. Super. Bon, bah, écoute, hein. Lieutenant. Parlons-lui. Je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé. Ça a commencé dans la dans cuisine. La non. Je crois que tu ferais mieux de retourner voir le bordel dans la cuisine. C'est là j'ai que fait ça y. A commencé. J'ai fait Y. C'était... Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Oh non, le misclic! La victime a attaqué l'androïde avec la batte. Avec la batte. Oh, le misclic. Ça collerait avec nos preuves. Continue. Eh oui, je suis pas allée dans la salle de bain, j'ai pas vu la salle de bain.
l'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça? Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... le salon. Le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau, avec du savon. Ok. Pardon. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Ouais. Chercher les traces de sang bleu. Scanner. Trouver le déviant. Bah là, il y en a plein, là, par terre, regarde. Hop. Et on a rien vu dans les salles de bain. C'est par là-bas. Ensuite. Par ici. Ensuite. Non, ça c'est quand ils se sont battus dans la cuisine, normal. Ok, ça c'est quand ils se sont battus dans la cuisine. Du coup, demi-tour, bichet. À droite. Plap, 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 plap. Il a fait un petit tour par ici. Hop là. Une échelle a été utilisée. Ok. Oh, il est caché là-haut. Non. La piste mène au grenier. Trouver un moyen de monter. Il se fait peur. Tu peux pas avoir peur, t'es un robot. Ah, c'est l'autre indice qu'on n'avait pas fait tout à l'heure, ça. Écriture de sujet obsessionnel. Offrande religieuse. Ok. C'est très étrange. Un moyen de monter, bla 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 bla. Eh, c'est bon, t'es un robot, tu sautes et tu te soulèves à la force de ton propre poids. Non, je peux prendre la chaise. Voilà. Hey, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Oh oh. Un robot, il a pas d'odorat et il a pu rester ici. Fouiller le grenier. Bah oui, mais là, il y a visiblement quelqu'un derrière ce rideau, hein. Voilà, ça va partir en cacahuète, je vous le dis. Allez, c'est bon, on y va.
voulais simplement me défendre. Ouais, mais tu lui as mis 28 coups de couteau quand même. Il va finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Non, mais non. En fait, t'as tué quelqu'un. Genre. Il est ici, lieutenant! Ah, voilà. Putain de merde. Chris, Ben! Ramenez-vous en vitesse! Allez! Non, c'est bon, je te laisse partir. T'as tué quelqu'un, mais. C'est ok. Alors, attendez, je vais juste changer un truc dans mes alertes. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Ouais, ça veut dire lève tes fesses de ton super fauteuil gaming sur lequel tu es depuis bien trop longtemps. Oh, et fais au moins 2-3 étirements. Sibou, c'est aussi pour toi, je te ferai dire. C'est une très bonne idée, Godzilla, on va faire ça tout de suite. Hop, et comme ça, on va changer... mettre mon message en avant, modifier. Cryptage ? Tu dors ? Pourquoi ? Laissez-la tranquille. Elle regarde le jeu. Ou alors elle finit ses courses. Enregistrer. Et on va faire... Il est où ? Là. Voilà, je vous ai activé mettre mon message en avant, d'accord ? Comme ça, si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, ou que vraiment il faut que je vois un truc, eh bien, vous pourrez le faire, hein, les modos et les autres. On fait pas des courses pendant 4 heures. Ah oui, putain, il est midi et demi. Allez, lève-toi, viewer. Fais comme moi. On s'étire. Hop là. Sur les deux côtés, j'ai mis mon fauteuil dit pas du bon côté pour pouvoir bien m'étirer. Hop là. C'est de l'autre côté qu'il faut mettre le fauteuil. Hop, on va voir la place. Voilà. Très bien. On t'étire. Oh, on fait des gauche-droite aussi, c'est bien. Ensuite, on met les pieds par terre. On met les mains par terre. On tire les fesses vers le plafond. Oh oui, ça tire derrière les jambes là. Oh, c'est bien ça. Et on fait comme ça pour mettre le dos dans l'autre sens. Hop, hop. C'est bon, tu t'es bien étiré. Ah, je vais fermer la fenêtre. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Salut FMO. Ça va bien? Hop là. Ça dépend, un marathon, c'est une course d'environ 4 heures. Ouais, c'est moi le marathon. C'est pas Cryptage qui fait ses courses. Alors, la cuisinière masquée a dit qu'elle m'apporterait à manger à midi. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais par contre, le resub, pas du tout. Alors, merci. Salut Rally 15, comment ça va? Merci beaucoup pour ton 7e mois de sub. Le marathon, ça dure bien plus que 4 heures. Ça va très bien. Est-ce que j'ai envie de faire pipi? Non, ça va. Ça peut attendre encore un petit peu. Et it's ok. Je sais plus qui m'avait demandé tout à l'heure. Est-ce que tu comptes faire tout le jeu lors du marathon? L'idée, c'est ça, normalement. Mais j'y vais jusqu'à temps que la fatigue... me prennent, tu vois. Genre, peut-être qu'on n'aura pas fini et que je serai en mode j'en peux plus, les gars, désolé. Mais voilà. C'est ça. L'idée, c'est de finir le jeu une fois, pas à 100%. Exactement. Todd ? De retour avec Kara. Je vais savoir te dire ça aujourd'hui, clin clin, parce que c'est la première fois que j'utilise aujourd'hui. Elle est là. Il y a du jus d'orange, enfin du jus ACE que j'ai fait ce matin, dedans. Le dîner. D'ailleurs, tiens, si j'en buvais un peu. Ouais, j'arrive. Le dîner est prêt. Elle fait tout. Hop. Alors, apporter le repas. Allons-y. Tenons-nous
Tenons-nous bien droit dans notre fauteuil, parce qu'on va y passer la journée. Mais heureusement que vous êtes là pour prendre soin de mon dos avec les alertes. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. De petites pâtes bolo, c'est très bien. Allumez la lumière, assise. Oh, le temps. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je dois m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Je crois que si j'éteins la télé, il fait une crise de nerfs. Bien sûr, c'était... Arrête de remuer, nom de Dieu! Tu me tapes sur les nerfs! Mais j'ai rien fait, moi! Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'es arrivé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Mais pourquoi la mère, elle est pas partie avec sa fille? Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de gros tout est ta faute. Papa, non. Tout est ta faute, putain. On fait pas ça. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite. Tu restes ici. Non? Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Ouais, si il me déglingue, je suis encore... Je retourne au magasin. Tu sans dire un mot. Et je pourrais pas protéger la petite fille. J'aurais pu être heureux. Je peux ranger le bazar. Mais non. Non mais je vais y aller, c'est bon. Left button. Réussi ou j'ai pas réussi? Je sais pas. Protéger Alice, raisonner Todd. On pourra pas faire les deux, hein. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la rendre heureuse, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, santé? Bah elle est pas là. Elle est évidemment pas là. Débile. Sors de là. Elle a dû sortir par la fenêtre. Viens vite. Allez, viens. Il arrive. Il va me faire du mal. Cours, enfuis-toi ou il va te faire du mal, comme la dernière fois. Fuir avec Alice. Avec moi. Caché dans une autre pièce. Ah! Merde, merde! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, fallait cliquer plusieurs fois! Vous plantez là! Non! Je t'ai donné un ordre! Non! Je ne vous laisserai pas faire! Tu ne me laisseras pas! Elle est à moi! Je fais ce que je veux avec elle! Non, ah Woo!
Et fonce, débile! Viens là, sale petite tête. Non, papa, non! C'est pour ton bien, Alice. Pour ton bien. Ça suffit! Laissez-la tranquille. Qu'est-ce que tu fous là? Barre-toi en vitesse, c'est un ordre. Tu m'entends? Non! Je veux que vous laissiez Alice tranquille. Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Tu veux rien du tout, t'es rien qu'un morceau de plastique! Je crois que t'as un problème. Et on va y remédier. Attention, Kara! Viens ici, connasse. Vite! Non, Mimi, ne passe pas devant l'écran maintenant! Dépêche-toi, vite! Allez, un petit coup sur la tête. Il faut partir en courant, on y va! J'allais choisir le jardin de toute façon. Elle est montée dans le bus devant avec la petite fille. Oh oh. Y a personne qui dit rien. Ah ouais. Ah bah bravo le coup de soleil. En même temps, c'est normal, vu le soleil qu'il y a. Nuit d'orage. Waouh, il y a tellement de choses. Et c'est possible de faire le jeu à 100% en une seule fois? Genre d'explorer... Non. Non, parce que t'as toujours des choix, en fait. Ah oui, on est d'accord, c'est impossible. C'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Putain, cet acteur, je sais plus qui c'est, mais j'aime trop sa voix. Ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. C'est vrai. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Salut Gregarda. Un scotch sans glace, comme d'habitude. Solitaire, bonjour. Très bien, mais... Vous savez ce qu'on dit le médecin?
Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. S'il y en a qui veulent faire un bref résumé pour dire juste les choix qu'on a fait, si jamais, genre pour Ragarda par exemple. Tu avais laissé l'atelier allumé ? Ça, moi, je continue. Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence ? Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. N'importe quoi, Shadow. Bah non, parce qu'en fait c'est dangereux. Et j'ai même pas eu le temps de servir du whisky. Non, 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 je vais y aller tout seul. Marcus, non, je viens avec toi. Non. Non, c'est trop dangereux pour vous. Il y a ton fils. Léo. Regardez qui voilà. Le joujou en plastique de papa. Léo. Qu'est-ce qui se passe? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Écoutez, vous devriez partir avant que ça dégénère. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant! Allez, va-t'en! Et qu'est-ce qu'il a de si spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille! Allez, montre ce que t'as dans le ventre! Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout, ne fais rien. Oh, ça va être comme pour Vas-y, l'autre. Vas-y, prends-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Mais qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête, Léo. T'as Arrête. Trop peur pour te battre, espèce de fiotte. T'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique. Non, Léo, laisse-le tranquille. Pousse-toi, je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que t'es rien. Tu m'entends? Tu n'es rien. J'ai fait endurer parce que j'ai écouté le vieux. Non, pourquoi? Car non. 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 Les humains sont des machines fragiles. Il a fait une attaque cardiaque. Ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez non. pas. Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non. Non. Père. Non. Je vous en prie. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. Ils vont faire accuser l'androïde. Non ! J'ai rien fait ! L'androïde, c'était l'androïde. Non ! Commencer à chialer maintenant. Oh. Putain. Ah mais il me dit ouais. Fais pas. Ah. Oh.
Oh, c'est trop tard, c'est fait maintenant. C'est cool, tu prends une décision opposée aux miennes quand j'ai fait le jeu. Du coup, ça montre un autre side du jeu. Bah, tant mieux. Bon, ben, on avance, hein. 6 novembre. Je suis pas du tout la temporalité. On était au 5 avant, hein, c'est ça. Combien de temps t'es resté dans le grenier? Bah, 19 jours. Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Voilà. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh, deux claques, toi. Je pourrais essayer de l'interroger. Tu peux rentrer si tu veux. Vas-y, le suspect est à toi. Il y a la cuisinière masquée qui est là, je mets juste... Ah oui, il y a pause. On peut mettre pause. Ça va? Oui. Oui. Sur le... à côté de l'évier, je t'ai laissé le riz cuit. D'accord. Et des boulettes. Ok. Si jamais tu as la pause pour aller chauffer ça. Ok. Dans le frigo, il y a d'autres trucs à bouffer. Il y a même une boîte en plastique avec du brosse dedans, si tu veux. Et des petits toasts là, comment on les appelle les... Je ne sais pas, les mais c'est pas grave. Les petits pains suédois, si jamais tu veux tartiner avec les crisp rolls. Voilà, au cas où, il y a ça. Et je t'ai laissé les boulettes avec de la sauce tomate et du riz que j'ai fait cuire. Voilà. Cool, merci. Je tente à Ajaccio. Tu vas à Ajaccio? Avec... je tente. Vas-y. Je tente. Je ne sais pas où il est le niveau d'essence, tu verras. D'accord. Désolé. Hein. Oui. On n'a pas réglé le problème de la musique, mais ça fait rien, je roulerai sans musique. Ah oui. Ouais. Ok, bon, on fera ça quand tu rentres. Ça va. Merci. Oui, c'est la cuisinière masquée. Vous avez envie de manger des boulettes et du riz, du coup? Je lui avais dit un truc facile qui peut se manger pendant que je joue. C'est raté. C'est pas grave, au moins, on va bien manger. J'ai vu les deux let's play de Dame Dame, dont une speedrun involontaire. Ah ouais, c'est vrai. Dont un speedrun involontaire. Incroyable. Mais écoute, on verra. On verra, on verra. Reprenons, on est en... Ça, c'est la première fois qu'on met en pause. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre un petit marqueur. Oh, punaise, tenez-vous à carreau, il y a des nouveaux. Bonjour. Vous allez bien? Installez-vous. Bonjour, Red Alice, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue, salut. On fait un marathon sur Detroit Become Human. On y est depuis 11h. À 11h, on a commencé le jeu, donc installez-vous, profitez de l'histoire. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu à choix. Voilà, c'est comme un film, mais qui va durer toute la journée. Et entre 10 et 12 heures de gameplay, donc installez-vous. Salut Délice, je vais forcément louper des bonjours, hein. Équilibre, bonjour. Salut Red Alice, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu crées debout ce matin? The Will Dude, merci beaucoup pour ton follow. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme, merci. Ouais, c'est un peu... c'est sur des... si vous connaissez pas du tout, mais le jeu est sorti il y a longtemps quand même, il y a 2 ou 3 ans je crois. C'est un monde où il y a des robots qui prennent conscience que... ne sont pas que des robots. Voilà. Allez, on continue. Totalement The Will Dude. Enfin, totalement. Oui. Certainement. C'est toujours un plaisir pour Waterhead de commencer à sculpter un dragon. Trop bien. Trop bien. Bon, allez, on continue parce que sinon, l'idée étant de terminer ce jeu avant la fin de la journée. Enfin, pas avant la fin de la journée, avant mon décès physique et moral. Donc voilà, pour l'instant, ça va, j'ai pas trop faim. Mais on va voir quand est-ce qu'on va manger.
Alors, analysons les indices. L'aide... Ah non, mais j'ai pas fini. Oh, j'ai pas fini de lire. Signe d'instabilité du logiciel, probabilité d'autodestruction faible. Ok. Android ménager, date de fabrication 2030, propriété Carlos Ortiz. Ok. Trace de brûlure, trace répétée sur 16 mois causée par des cigarettes. J'ai pas fait ça tout seul, si. N'hésitez pas à passer en Batman à tout instant. Vous n'êtes pas obligé de parler dans ce chat. Donc vous passez un bon moment. Vous êtes les bienvenus. Dégâts non critiques de niveau 2 causés par une batte de baseball. Non critique. Ok. Et ensuite, je vais sûrement me moucher pendant qu'ils vont papoter. Hein. Analyse ADN, sang de Carlos Ortiz. Okay. Interrogé, c'est parti. Atteindre le niveau de stress optimal pour obtenir des aveux. Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable, comme la peur chez les humains. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça ? Il t'a battu. Tu refuses de parler depuis qu'on t'a arrêté. Si tu ne coopères pas, ils emploieront la force. C'est ce que tu veux ? Niveau de stress trop bas. Sonder sa mémoire, B. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non ! S'il te plaît, ne fais pas ça! Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? Je dirais la vérité. On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? J'ai pas eu le choix. Le jeu m'a pas laissé le choix. Je dis la vérité. J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. Choisir l'approche. C'est-à-dire, faire pression, sonder sa mémoire, convaincre. Convaincre. En étant compréhensif. Je comprends ton émotion. Tu étais rempli de colère et de frustration. Personne ne peut te reprocher tes actes. On est compatissant encore. Un peu. Écoute. Je ne te jugerai pas. Je suis de ton côté. Oh là là. Je veux seulement savoir la vérité. Si tu gardes le silence, je ne pourrai plus rien faire pour t'aider. Tu vas finir désactivé. Tu vas mourir. Tu m'entends? Mourir. Il me torturait tous les jours. Voilà. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais... Ouais, mais en étant sympa, je fais le... Il trouvait toujours quelque chose à... Mauvais flic, gentil flic en même temps. Et puis un jour... Il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... la peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors, j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac.
Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Oui, ça, ça, et encore. Ça. Une fois, ça suffit. Normalement, une fois, ça suffit sur les humains, t'inquiète. Il y avait du sang partout. Message au mur de... R.A. 9. Qu'est-ce que c'est R.A. 9? Quoi, R.A. 9 qu'on a trouvé? Je vais faire R.A. 9. Je sais pas ce que c'est. R.A. 9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur ? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. La statuette ? La statuette. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une offrande. Une offrande? Une offrande pour que je sois sauvé. Une offrande à qui? La sculpture était une offrande? Une offrande à qui, dis-moi? Bah oui. Pour R.A. 9. Seul R.A. 9 peut nous sauver. Excusez-moi, c'est qui ce R.A. 9? R.A. 9. Qui est ce R.A. 9? Pique trop ma curiosité, là. Déclencheur, grenier. Je fais déclencheur, on a fini, je crois. Pourquoi t'être caché au grenier? Au lieu de t'enfuir? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. C'est ça quand on quitte chez papa et maman. Alors je me suis caché. Par contre, si tu te caches... Depuis quand ressens-tu des émotions? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas... juste. J'ai ressenti de la colère. Et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. C'est ça, cryptage. J'ai terminé. Bon, levons-nous. Nanana, moi j'ai réussi là où l'humain il n'a pas réussi à faire blabla. Parlez-le, gars. Boucle-le, Chris. Toi, tu sors. Ok, on y va. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Merde, qu'est-ce que tu fous? Mets-toi. Abandonné. Ça va. Calme-toi, fais pas ton filet. Évitez de le toucher. Il s'autodétruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas. S'il se détruit, on ne pourra plus rien en tirer. Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule. Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou merde? J'essaie. Je ne peux pas vous laisser faire. Laissez-le tranquille. Je t'aurais prévenu, sale robot de merde. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Merde. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois. Fais chier! C'est vachement bien doublé, hein. Tout va bien maintenant. D'ouf. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce et il ne vous causera aucun ennui. C'est...
vérité est à l'intérieur. Instabilité logicielle. Complété à 38% seulement. Et combien de... Waouh, il y avait 4 fins possibles. Ok, ok. Allez, on enchaîne. Next. 5 novembre. Ah, bah c'est... Le... Quoi? On revient en arrière en fait. Parce qu'avant on était le 6. Merci, Clin Clin. Mon amoureux est toujours dans le chat. Buvez tout de suite un verre d'eau. Merci Godzilla. Vous, vous êtes comme moi, vous buvez pas assez. Non mais toi aussi, hein, Cibou. Merci Godzilla. Buvez, messieurs, dames. Allez. Terminus. J'ai que 10 euros en monnaie pour me payer une pizza ce soir. Ouais, vous pouvez pas rester là. Et du coup, sinon je les payerai en chèque. Ah, si tu veux venir manger une pizza avec moi, tu... Ouais, que tu suivais pas la timeline, c'est-à-dire, Gragarda. Avec toi. On doit descendre. C'est la première fois que je fais le jeu, donc je fais le jeu, en fait. Oui, mais bah, là, comme je l'ai dit avant, tu vois, mon cerveau, il a enregistré l'information, du coup. Vous connaissez un endroit où on pourrait passer la nuit? J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là. Un endroit pour la nuit. Elle est trempée. La pauvre. Trouver un abri pour la nuit. Pêcher. Oh, il y a des androïdes là-bas. Ça se fait qu'ils sont dehors. On va aller les voir. On cherche quelque part où dormir. Tu sais où on pourrait passer la nuit? Non, lui c'est un robot de première... Première usage. Attends, mais y en a pas un autre? Les deux pareils? Ok. Ça s'appelle le dédain. Il y a plein d'endroits. Il y a plein. Oulala, oulala. Examiner. Inconfortable mais sans danger. Comment entrer? Ok. Très inconfortable mais discret. Ouvert 24-24, impossible de... on peut demander de l'aide. Ça c'est fermé. Confortable mais pas discret, il faudra de l'argent. Ah oui, parce qu'après il nous retrouve. Impossible de rester. Mais si on demande de l'aide, ils vont... Ça, ça n'ouvre qu'au petit matin. Là, faut trouver un... Bah, on va aller là, hein. Très inconfortable mais discret. Ouais.
Tu vas où tu vas, Bichette? Reste avec Tati Cara, là. Viens, on va dans le parking. Ah. Réconforter Alice. Elle est où? Elle est où? Au secours! J'ai perdu la gamine. Ah non, c'est bon. Alice, tu es frigorifiée. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdue. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. On dirait pas le signe de Meta sur le bus, là? Downtown Bus Hub, regardez. Machela Gardoise, merci pour ton follow. Allez, on a dit qu'on allait dans le parking. Viens. Comme ça, on est discret. Meta, le nouveau nom de la société qui possède Facebook. Dormir dans la voiture abandonnée. Allez. Je suis obligée de regarder la manette pour savoir quel bouton c'est. Quel... Une maison abandonnée. Au moins, on sera au sec là-dedans. Ouais, mais dans la voiture aussi. Pas cet endroit. Non. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. Je sais, elle s'est arrêtée pour me le dire. Non, on va dormir dans la voiture, mais ça fait peur de dormir dans la voiture. Puis elle est dégueulasse, cette voiture. Elle a l'air abandonnée. Reste derrière moi, Alice. À l'intérieur. Et personne ne nous trouvera ici. Je veux pas dormir là-dedans. On peut pas trouver mieux. C'est soit ça, soit la maison. Dans tous les cas, t'as pas envie. Alors on va rester ici. Allez. On ferait mieux de rester ici, Alice. L'important, c'est qu'on soit à l'abri. Et c'est juste pour cette nuit. Jamais aimé. Parce que tu lui rappelles ta mère. Parce que tu lui rappelles ta mère. Et les humains sont cons. Bah ouais, mais les humains sont cons, qu'est-ce que tu veux. J'ai fait quelque chose de mal. Mais non. Peut-être que j'étais pas assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. On ne pouvait pas être heureux. Je ne sais pas, Alice. Tu me quitteras jamais, hein?
Promets-moi que tu me quitteras jamais. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours ? Oui. Pour toujours. Il y a un bruit. Il y avait des bruits de pas. Waouh! Il y avait tellement de possibilités. Oh! What the fuck? Ok. Oh là là, incroyable.